J'ai passé plus que 2 heures à la chercher et je l'ai trouvée. Check ça. All right, cheers. Je me retrouve en ce moment dans l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. C'est un endroit très achalandé. Je vous jure, il y a du monde à tapisser. Du monde ici, man, c'est effrayant. C'est une ville très animée de jour comme de nuit, qui est réputée pour ses musées, ses fameux temples bouddhistes, ses énormes centres d'achat qui prônent la surconsommation, et ses guides touristiques qui te laissent pas patience. Why not go to the clothing market? No, thank you. Why? Because I've been there. How long more here? I'm just walking. No, how long more here? Bangkok. C'est aussi une ville qui est connue pour sa diversité culinaire comme sexuelle. Parce que ouais, le monde ici, ça mange des insectes, puis tu peux retrouver une couple de boys qui s'est fait chop la gueule. On appelle ça des lady boys. Alors, si vous ne l'avez pas deviné encore, je me retrouve présentement dans la plus grande ville de Thaïlande, Bangkok. Mon nom c'est Juicy Deuce, puis aujourd'hui, je vais manger la plus grosse larve de la Thaïlande. Restez avec moi, ça commence maintenant. Bon, salut la gang, c'est ton boy Juicy Deuce en direct de Bangkok. Puis là, j'ai deux affaires à dire. De un, pour vrai, merci hein, tout le monde qui ont liké la vidéo. J'ai regardé, il y a quand même 137 likes. Puis en passant, petite mise en contexte, si t'as pas regardé la vidéo Flip au Bouddha, dans cette vidéo YouTube-là, je flip pour Bouddha. No video. What is that? Buddha. You have pray to Buddha, but not flip to Buddha. Just pray. Puis aussi, j'ai tombé sur un chat à bébite, puis j'ai décidé de manger une sauterelle. Puis là, à la fin de la vidéo, je dis que si j'ai 100 likes, je vais manger une grosse larve sale. Fait que là, me voici en train d'essayer de trouver une larve sale. Deuxième affaire. Là, cet après-midi, j'étais parti sur une aventure, essayer de trouver la larve. Mais à date, je trouve rien. Je me suis rendu compte en regardant sur Internet qu'ils vendent ça la nuit. C'est une affaire, un nightlife. Manger des bébites, c'est genre fucking nightlife, party, let's go, fucking un vibe. Pas de plan, c'est un peu dégueulasse. Fait que whatever, je m'en vais sur ma deuxième excursion pour trouver une juicy larve. Let's go. Could you please meet me there? It's the cowboy night thing. Woo! Finally! What is this called? Non? Non? Looking for Noom. Non? Ok, je suis venu jusqu'ici, puis j'ai pas de larve live. Je vais figure out un plan B, man. How many times? How many minutes? You want a bike or you want tuk-tuk? Can I walk? Yeah. Kabunga. Alright, baby. On a un plan B. Tout ça pour manger une larve qui va me donner envie de patcher, man. Ouais. Bangkok! Il y a du monde à Bangkok, mon gars. Pas capable de trouver un stand de bibitte, mais il y a des vapes et des dildos. Ça, en Thaïlande, tu trouves ça facile en te promenant dans la rue. Là. Ah, tu vois, il y a même des bangs ici. Des bangs, des dildos, des vapes. Il y a tout. Je viens d'arriver au spot que le gars scooter m'a dit. À date, ça l'augure pas bien. C'est comme une rue qui a pas tant de marchands de bouffe. Là, je m'en viens sceptique un peu. Là, je m'en viens perish, man. Ok, fuck. Là, j'ai fait la rue au complet. Je suis rendu dans le noir, man, à un coin fuck all. Fait que je pense que je vais repogner un taxi, man, I guess, puis essayer de trouver un autre spot. Ok, je vois un shack au loin, juste là devant moi.
c'est pas un chèque à bébite, mon gars, je t'avais abandonné. Des melons d'eau. Pas ça que je recherche. Oh, il y a d'autres chèques là. Il y a deux autres chèques. Non plus. C'est pas ça qu'on cherche. Kick-moi devant moi. Là, il n'y a plus rien. Je m'enligne pas dans cette ruelle-là, ce cache de Bangkok, mon gars. Je vais trouver un autre spot, I guess. OK, il y a un taxi qui vient de pull up. Hey, excuse me. You know a place near here where I can eat a larve? A juicy, juicy larve. Faut mentionner le juicy. All right, let's go there. Let's do it. OK. Je vais arriver à un autre spot. Croise les doigts, là. Le gars m'a juré que j'allais en trouver des bébites. Je suis mieux d'en trouver, man. Il me reste une dernière f***ing rangée. Yeah. I've been looking all night for this. OK, on a trouvé, guys. Le spot à larve, mon gars. I'm gonna take this, this, and this. OK, 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 OK. Je vais pas manger tout ça, c'est folle, là. Tabarnak de folle. En mini. Capoca. Je me suis payé 300$. Capoca. On commence. On va commencer avec une petite de même. Le appetizer. Ça, c'est pas juicy. Mais c'est juste. Pas, anyway, c'est pas ça qu'on cherche. OK, niveau 2 maintenant. C'est parti. Celle-là était pas tête. Elle était un peu juicy, elle était comme... Pas down. OK. C'est le moment de vérité. La juicy large de Bangkok. J'ai passé plus que 2 heures à la chercher et je l'ai trouvée. Check ça. All right, cheers. OK. Not really good. Ouh, la juicy larve, man, c'est fucking pep, bro. Pis pour vrai, c'est pas si pire que ça. Ça goûte le barbecue. Take it. Non, non, non. If I take it, you take it. Oh! Là, j'ai mangé deux. Je voulais faire le gars. Mon genre de bouffe, ça! En passant, gang, mon solo travel en Thaïlande est fini, man! Fait que tous ceux et celles qui ont liké la vidéo, je flippe pour vous deux. Cette vidéo-là était pour vous autres. J'espère que vous avez aimé le vlog. Si ça te fait drôle, t'as aimé ça, like la vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Aussi, je l'ai spécifié dans mon dernier vlog, mais il y a une grosse vidéo qui va sortir dans peut-être un mois sur le solo travel, une dépense ou un investissement. Ben écoute, il n'y a pas de cachetterie pour être... Selon moi, c'est un esti bel investissement. C'est une vidéo que je fais partager mon expérience en tant que premier solo traveler, partager avec vous autres les bénéfices que j'en ai retirés. Je vais aussi donner mon point de vue sur les paramètres à mettre en place pour t'assurer que ton solo travel, ça soit worth it en crise. Merci gang d'avoir regardé la vidéo et on se voit semaine prochaine.